Bonjour, nous allons voir comment fonctionne Genially. Alors, Genially permet de faire des images interactives. Donc, vous voyez ici, je vais cliquer sur cette petite icône et ensuite sur ce carré qui va me permettre d'afficher en grand cette image interactive. Pourquoi est-elle interactive? Car quand je clique ici, Le vieux port de La Rochelle, avec son entrée encadrée par les deux tours, les tours de la chaîne et la tour Richelieu. vous voyez, donc ensuite quand on approche la souris des petits numéros, eh bien on a à chaque fois une légende qui apparaît. Quand on clique ici, on peut modifier la page, vous voyez, passer une diapo suivante avec l'emplacement du vieux port, le port de plaisance, sa page des minimes. Voilà. Tout simplement, vous voyez, hein, on peut revenir comme ceci. Hein, là, on a trois diapos avec des diapos qui sont interactives. Donc, si je veux faire disparaître ici ces petites icônes, hein, je reclique sur l'icône, tout simplement. À bientôt pour un autre tuto.